lutte contre les ambroisies qui ont lieu du 15 au 30 juin. L'Observatoire des ambroisies, en partenariat avec le CNFPT, organise une série de webinaires chaque jour ouvré, donc de 11h30 à 12h, du 15 au 30 juin. Donc il y aura une douzaine, enfin 12 webinaires consacrés à la lutte contre l'ambroisie. Et ce premier webinaire est consacré à la connaissance et à la reconnaissance des différentes espèces d'ambroisie. Donc c'est Marie-Lou Mottet, qui est coordinatrice de l'Observatoire des ambroisies au sein de la Fredon France, qui effectuera cette première présentation. Et moi-même, je suis Elisabeth Auffray, responsable du pôle de compétences paysage et biodiversité au CNFPT. Donc un petit mot sur le déroulement du webinaire. Alors le webinaire va durer donc une quinzaine, vingtaine de minutes de présentation et après une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions dans le petit module conversation en bas à droite de votre écran et on répondra, enfin Marie-Lou répondra à vos questions après cette présentation. Voilà, je laisse la parole à Marie-Lou Mottet. Eh ben, merci Elisabeth pour cette introduction. Du coup, un petit mot sur l'Observatoire des ambroisies. Donc, c'est une mission qui a été mise en place en 2011 par les ministères chargés de la Santé, de l'Agriculture, de l'Environnement, des Transports et de l'Intérieur. Et donc, il est actuellement piloté par Fredon France, comme Elisabeth l'a dit, qui est le premier réseau d'experts au service de la santé du végétal, de l'environnement et des hommes. Donc tous les ans, nous animons les journées de lutte contre les ambroisies, donc, qui ont lieu du 15 au 30 juin, et en temps normal, il y a des manifestations qui ont lieu un peu partout en France à l'initiative de différentes personnes, des référents ambroisie, des collectivités, des associations, etc. Donc ça peut être des arrachages d'ambroisie, des conférences, des formations, des stands, des Captain Allergo, etc. Et puis bah, cette année, le programme a été un petit peu bouleversé, évidemment, avec le contexte sanitaire, et puis les grosses manifestations qui rassemblent beaucoup de monde d'habitude. Bah, n'auront pas lieu, mais il y a quand même d'autres manifestations qui ont lieu, soit en ligne, soit limitées en termes de personnes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ambroisie.info, la rubrique Journée de lutte contre les ambroisies, pour voir ce qui se passe en France. Bah, de nous, de notre côté, on a décidé avec l'aide du CNFPT de proposer ces webinaires en ligne qui donc auront lieu tous les jours ouvrés. Et donc on espère vous retrouver dans les jours qui arriveront par la suite. J'ai le plaisir d'animer ce premier webinaire qui est consacré à la reconnaissance des différentes espèces d'ambroisie, car oui, il y en a plusieurs. Et donc, c'est parti pour la présentation. Donc, un petit mot sur les espèces exotiques envahissantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces non indigènes, donc qui sont présentes en dehors de leur aire de répartition naturelle, et généralement, elles sont introduites par l'homme. Là, je vous ai mis un petit schéma en dessous qui représente les transports des hommes entre les différents continents, donc qui sont autant de risques de transporter avec soi bah, des propagules, des animaux, des plantes qui pourront potentiellement s'installer plus dans un autre continent. Donc exotique et envahissant, ça veut dire qu'ils disposent de fortes capacités de croissance, de multiplication. Là, sur la petite photo, vous voyez des myriophiles aquatiques, donc qui ont complètement envahi un étang, voilà, et qui potentiellement vont entraîner des impacts. Et généralement, ce succès de plantes exotiques envahissantes est lié à deux facteurs, le fait que, enfin, en partie à deux facteurs, le fait que généralement ils arrivent sans leur panel d'ennemis naturels qu'ils ont sur place, par exemple pour l'ambroisie de petites bêtes qui la mangent, ils vont arriver sans ces prédateurs naturels. Et généralement, ce sont des espèces qui ont des reproductions végétatives ou sexuées importantes. Voilà, alors en France, on a quatre espèces d'ambroisie qui sont présentes. Il y en a dans le monde une quarantaine d'espèces. Mais en France, on en a quatre qui sont présentes, qui sont toutes originaires d'Amérique, donc qui sont exotiques en tout cas en France. Et on en a trois qui sont classées nuisibles à la santé humaine. On a l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie artemisifolia qui est l'espèce la plus commune en France, l'ambroisie triphide et l'ambroisie à épilis. On a également donc ambroisie tenuifolia qui est l'ambroisie à petites feuilles qui est présente beaucoup plus localement et est moins problématique en tout cas, donc qui n'est pas classée nuisible à la santé humaine. Donc je vais accentuer mes propos sur les trois ambroisies qui sont réglementées, donc à feuilles d'armoise, à épilis et triphide.
Donc là, je vous ai mis les cartes de répartition actuelles en France. Donc on repère tout de suite qu'il y en a une qui est beaucoup plus présente que les deux autres. L'ambroisie à feuilles d'armoise, et généralement quand on parle de l'ambroisie, c'est de celle-ci, cette ambroisie Artemisifolia, donc qui est très présente en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que, qui est quand même un gros patch, comme on peut le voir du côté Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes, dans le sud Centre-Val de Loire, dans le sud Franche-Comté aussi, et qui se propage de plus en plus. L'ambroisie à épilis, elle est plutôt cantonnée autour de la Méditerranée, et l'ambroisie trifide, elle reste plutôt du côté sud-ouest autour de Toulouse. Voilà, dans des proportions beaucoup plus faibles que l'ambroisie à feuilles d'armoise. Et c'est parti sur la présentation donc de la plus commune, ambroisie à feuilles d'armoise, qui est une espèce annuelle, son nom latin Ambrosia artemisifolia. Donc vous la voyez là au stade de plantule. Elle a des cotylédons, sont les deux premières feuilles qui sont bien rondes. Souvent, quand on le retourne, elles ont une couleur un petit peu rouge dessous. Et puis, on voit les deux premières feuilles un peu découpées qui arrivent aussi. Donc ça, c'est en début de saison, ça va être avril-mai. Et puis, au cours de la saison, elle va grandir, elle va prendre de l'ampleur. En stade végétatif, vous la voyez, là, elle se porte un petit peu buissonnant. Et au stade floral, elle peut, là donc j'ai mis jusqu'à 2 mètres, elle peut effectivement grandir jusqu'à 2 mètres, mais elle peut aussi faire des fleurs et des graines à un stade de 20 cm de hauteur. Ça dépend en fait des conditions dans lesquelles elle se trouve, si il y a beaucoup de nutriments, si elle a beaucoup d'eau, si elle n'est pas recouverte par d'autres végétations. Donc généralement, par exemple, en bord de route, elle va rester assez petite, 20 cm, et réussir à produire des graines. Alors que dans les cultures, elle va pouvoir grandir, essayer de surpasser les autres cultures en place. Et là, à ce moment-là, on va la retrouver assez haute. Comment est-ce qu'on l'identifie? Donc, vous avez la feuille qui est profondément découpée, comme vous le voyez, qui est verte de chaque côté. Donc, quand on la regarde des deux faces, c'est à peu près le même vert. Il y en a un qui est quand même un petit peu plus blanc, mais ça reste quand même dans les mêmes teintes. Et c'est comme ça qu'on la différencie de l'armoise commune, qui, elle, est vraiment beaucoup plus blanche d'un côté que de l'autre. Elle n'a pas d'odeur spécifique quand on la froisse, ou très rarement. Et les feuilles sont opposées à la base. Et puis, plus on monte, en fait, plus elles vont être alternes. Donc, vraiment, au début, elles sont bien opposées. Et puis, de plus en plus alternes quand on arrive vers les fleurs. Au niveau de la tige, donc la tige est velue, des petits poils un peu partout, comme vous voyez sur ces photos. Et elle est bien verte en début de saison, elle devient rougeâtre à violette plus la saison passe, plus elle devient rouge. Et en fin de saison, donc à septembre, octobre, elle va être bien, 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 bien violette, limite marron, voilà, après les premiers gels, et puis elle va mourir. Je vois que le son est OK, mais pas d'image et de photos. Donc, je suis désolée, j'espère que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je poursuis sur les fleurs. Donc, les fleurs, il faut savoir que c'est une espèce qui est monoïque, c'est-à-dire que les fleurs mâles et femelles sont présentes sur la même plante. Les fleurs mâles sont donc assez jaune-vertes, pas une jolie fleur très visible, hein. C'est des petites grappes comme ça, des petits capitules. Donc les petits capitules, ce sont les fleurs vertes. Je crois que je peux avoir un pointeur. Non, peut-être pas. Bon, tant pis. Bien en bout de la tige, et donc les fleurs mâles produisent le pollen, et puis un petit peu plus à l'aisselle des bractées, en dessous, vous retrouvez les fleurs femelles qui, elles, produisent les graines. Et puis, il est possible de retrouver, mais rarement, des plantes qui sont 100% mâles ou 100% femelles, donc c'est une petite bizarrerie de la nature, mais ça existe. Des fois, vous avez des ambroisies qui ont une tête un peu étrange, et ça peut être ça. Au niveau de la graine, donc la taille est assez variable, comme vous pouvez la voir sur cette photo. Là, la première photo, les trois graines sont complètement de taille différente, mais sont pourtant de la même espèce. Et donc vous voyez qu'elles sont couvertes de petites épines. Elles peuvent vivre très longtemps dans le sol, plusieurs dizaines d'années. En laboratoire, on a vu que jusqu'à 40 ans, elles étaient encore vivantes. Mais voilà, donc il y a quand même un gros souci pour la gestion, c'est cette durée de vie dans le sol. Et en moyenne, un pied peut produire jusqu'à 3000 semences.
Du coup, on se rend compte que si vous laissez une ambroisie pousser, potentiellement, vous avez plusieurs milliers d'ambroisies les années suivantes. Donc 3000, c'est une moyenne, évidemment, vous avez des pieds qui vont produire 3 graines, et puis il y en a, celui qui a compté le plus de graines, je crois, c'était 60 000, bon, c'était quelqu'un qui avait du temps. Voilà un petit historique de l'invasion. Le premier plant qui a été retrouvé en herbier, en tout cas, donc dans la nature, c'était en 1863, c'était dans l'Allier. Et puis, il y a eu plusieurs épisodes d'introduction successifs, finalement, et surtout pendant les guerres. Et vous voyez d'année en année la progression de l'ambroisie pour arriver, la dernière carte, à des patchs comme ça, des gros patchs d'envahissement assez localisés, mais qui s'étendent de plus en plus sur la France. Et puis, vous voyez le trait que vous voyez au centre de la France, c'est la Loire, car effectivement, l'ambroisie se propage aussi le long des cours d'eau. La graine peut flotter, mais il y a aussi beaucoup plus de personnes qui se baladent le long des cours d'eau et qui potentiellement peuvent la signaler. Donc, il y a ces deux facteurs qui sont à prendre en compte quand on regarde des cartes telles que celle-ci. Au niveau du cycle de développement, donc avril-mai, ce que je vous disais, on est en stade plantule avec les deux cotylédons de la feuille qui sont bien ronds. Juin-juillet, ça va être la stade de croissance. Et début août, ça va être les premiers pollens. Ça dépend un peu de chaque année, la date change. Et cette année, le Réseau national de surveillance aérobiologique a estimé que les premiers pollens allaient arriver le 8 août avec un logiciel qui fait des estimations. Voilà, donc vous pouvez aller voir la communication qu'ils ont fait sur leur site. Et puis en fin d'été, de août à octobre, donc on a des pics de pollen. Et c'est en septembre qu'on a les plus gros pics de pollen. Et c'est là où les personnes allergiques sont le plus embêtées. Et après septembre-novembre, il va y avoir la grenaison, la formation des fleurs femelles qui vont donner les graines. Ensuite, c'est une plante annuelle, hein, donc elle va mourir en fin d'année et relâcher son stock de graines qui, ben, l'année suivante, va redémarrer un nouveau cycle. Voilà, donc il y a vraiment août avec les premiers pollens relâchés, septembre les pics de pollen, et ensuite septembre grenaison, et c'est reparti pour un tour. Au niveau des habitats, elle va s'installer sur des zones anthropisées, donc qui sont souvent perturbées, mises à nu par des activités humaines. Donc ça va concerner les bords de route, les cultures, les terres en friche, les chantiers, et elle s'installe également dans un milieu naturel qui sont les bords de cours d'eau, puisque naturellement ce sont des milieux qui sont perturbés. À chaque crue, les gravières, par exemple, vont être débarrassées de tout ce qu'il y a dessus, et ça va laisser la place à des invasives pour s'installer. Merci Samuel qui a mis le communiqué de presse du RNSA dans le chat. Voici pour la première ambroisie, et je passe sur la deuxième, l'ambroisie triphide, donc qui est également une espèce annuelle qui arrive également d'Amérique du Nord, et qui est beaucoup, beaucoup plus grande que sa cousine, l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc là, vous la voyez au stade plantule. Tout à l'heure, j'avais mis un doigt à côté de la plantule pour montrer la taille, l'échelle. Là, vous avez un stylo, donc effectivement, la plantule déjà est vraiment beaucoup plus grosse. Au stade végétatif, donc là, vous la voyez dans une culture de tournesol. Et puis au stade floral, elle est vraiment géante. Elle peut monter, elle, jusqu'à 4 mètres. Et donc, petite illustration avec la photo d'après, vous la voyez derrière un tracteur, donc c'est vraiment très impressionnant. Et une fois qu'on l'a vue, on n'oublie pas généralement. Au niveau de la feuille, donc c'est une feuille qui est le plus souvent trilobée, donc nous sommes trifides, et elle peut pourtant avoir de 1 à 5 lobes, les palmatilobées, et elles sont presque toutes opposées, celle-ci est pratiquement glabre. Et elles peuvent mesurer de 4 à 15 cm de long, donc vraiment aussi beaucoup plus gros que l'ambroisie à feuilles d'armoise. Au niveau de la graine, donc la taille et la forme sont variables, 3 à 7 mm, et puis on retrouve quand même, quand on la voit, on retrouve ces 6 épines, mais beaucoup plus grosses là à côté, vous avez une petite graine d'ambroisie à feuilles d'armoise, et donc vous voyez la taille de la graine aussi est à considérer. Elles peuvent également vivre plusieurs dizaines d'années dans le sol, pardon, et par contre, elles en produisent moins de quelques centaines de graines par pied. Au niveau de l'habitat, donc dans sa zone d'origine, c'était majoritairement dans les zones naturelles, dans les cours d'eau,
qu'on l'a retrouvé, les zones perturbées naturellement, et puis avec les conditions agricoles qui se sont développées, on l'a retrouvée dans les parcelles cultivées. Et elle est aux États-Unis considérée comme une mauvaise herbe majeure. Et on la retrouve également dans les jardins, fossés, friches, habitats perturbés, etc. Et en France, on la retrouve principalement dans les parcelles cultivées. C'est l'endroit vraiment où on va la retrouver. Un petit focus, en tout cas un point d'attention sur cette ambroisie. Il y a eu un rapport de l'ANSES qui est sorti en juillet 2017 en disant que, enfin, qui a fait une analyse de risque relative à cette ambroisie, en disant que elle était encore relativement peu présente en France en ce moment et qu'il fallait vraiment axer les actions de gestion contre ces plantes pour éviter qu'on ait des situations d'invasion contre cette autre ambroisie à feuilles d'armoise. Et donc ils ont proposé des recommandations de gestion et vraiment ils disent que c'est un risque phytosanitaire inacceptable et qu'il faut absolument prendre en compte cette ambroisie pendant qu'il en est encore temps. Et je démarre sur la dernière ambroisie aepilis qui, elle, contrairement aux deux autres, est une espèce vivace. Son nom latin, c'est Psilostachya. Qui au stade plantule ressemble quand même beaucoup à la première ambroisie à feuilles d'armoise. Stade végétatif et floral aussi, mais en grosse différence, c'est que c'est une espèce vivace, donc qui va vivre d'une année sur l'autre. L'individu va vivre d'une année sur l'autre. Elle est un petit peu moins grande, elle monte jusqu'à 1 mètre généralement. Au niveau de la feuille, les formes sont assez variables, comme vous pouvez le voir, mais généralement sont moins découpées que Artemisia folia. Et la couleur est plus gris-vert. Elles sont opposées. Et puis, simple et le plus souvent lobées. Et elles mesurent de 2 à 6 cm de long. Au niveau de la graine, ça ressemble aussi à celle de l'ambroisie à feuilles d'armoise. Mais les épines sont un peu plus réduites ou voire nulles. Il y a cet aspect un peu plus rond de la graine. Et les individus vont en produire beaucoup moins, 80 à peu près par individu en moyenne. Sachant que la reproduction, en fait, principalement, ça va se faire par voie végétative à partir des drageons. Et ben, les drageons, voilà, justement, donc les racines, elles s'étirent latéralement, et puis elles donnent naissance à ces drageons, et c'est comme ça que, l'ambroisie va se multiplier, en fait, principalement. C'est très rare de voir une plantule d'ambroisie psilostachya. Et elle, au niveau de ses habitats, donc dans sa zone d'origine, c'était différents types de prairies plutôt. Et en France, on va retrouver des milieux perturbés, bord de route, voies ferrées, friches, prairies ouvertes et pelouses sableuses et dans les champs. Alors là, je vous ai remis en guise de conclusion un petit tableau qui reprend les caractères distinctifs entre ces trois ambroisies. Donc, c'est un tableau que j'ai repris d'une des analyses de risque de l'ANSES. Donc vous voyez le cycle de vie, 2 annuels et puis une vivace Psilostachya pérenne. Au niveau des feuilles, ça reprend aussi ce qu'on peut retrouver comme différence, la taille, la couronne sur les semences, l'appareil souterrain, l'odeur, sachant que voilà, il y en a deux qui ont une odeur spécifique, alors que la troisième est très rarement odorante. Et puis la taille. Et je crois que j'en ai terminé sur cet exposé. Il nous reste 10 petites minutes. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et puis, petit rappel, demain à la même heure, avec le même lien, vous retrouverez donc Martine Gros-Claude, médecin allergologue, qui vous présentera la thématique santé liée aux ambroisies. Et je vous écoute pour les questions. Merci Marie-Lou, merci pour cet exposé qui était très clair et très instructif pour bien connaître l'ambroisie et les reconnaître. Merci. Donc pour l'instant, pas de questions. Alors pour les présentations, je pense qu'on pourra mettre le diaporama à disposition sur déjà la e-communauté Nature et Environnement du CNFPT, enfin sur les différentes e-communautés du CNFPT qui sont concernées, parce qu'il y a la e-communauté Nature et Environnement et celle sur la santé. Et du côté observatoire de l'ambroisie, j'imagine que ça sera possible aussi de trouver les présentations. Oui, ouais, pas de souci, on pourra les mettre en ligne. Et je vois une question de Nicolas Rabin qui demande localisation de l'ambroisie aepilis en France. Donc ça va être plutôt du côté Méditerranée. Je vais remettre la carte peut-être de présence du tout
début. Voilà. Ah, je suis allée beaucoup trop vite, désolée. Voilà. Donc Épilis, soit plutôt PACA. PACA dans le sud, en Camargue, on va la retrouver pas mal. Il y avait des Nicole. questions sur les prédateurs naturels hein, de l'ambroisie. Quels sont ces prédateurs et où sont-ils? Enfin, comment ça se passe par rapport à ces prédateurs? C'est un très bon teaser pour un des futurs webinaires qui aura lieu, notamment sur donc Ophraella communa, par exemple, qui est une petite chrysomèle, un petit coléoptère qui est sur le même aire de répartition naturelle que l'ambroisie à feuilles d'armoise et qui est en Amérique du Nord, donc mange cette ambroisie. Est utilisée notamment en lutte biologique en Chine et en France, donc les chercheurs sont en train de l'étudier pour savoir si c'est une bonne idée ou pas de l'introduire. Mais donc on peut retrouver divers prédateurs naturels comme ça, notamment cette petite bête. Mais je vous donne rendez-vous, je ne sais plus exactement le jour, ça va être le 29 juin pour en savoir un peu plus sur les prédateurs de l'ambroisie. C'est ça, le 29 juin, je confirme. Au niveau de l'armoise, est-ce qu'elle peut se mélanger à l'armoise? Comment ça se passe? S'hybrider à l'armoise? Non, parce que ce sont vraiment deux espèces différentes. Donc, c'est la même famille, Asteraceae. Et puis, non, les espèces ne peuvent pas se mélanger en tout cas. Mais la feuille ressemble, d'où le ambroisie à feuille d'armoise et armoise commune. D'ailleurs, comment, enfin, c'est une question que je pose, comment on peut bien les distinguer entre l'armoise et l'ambroisie à feuilles d'armoise, justement? Quelles sont les espèces? Oui, bah, y a plusieurs espèces d'armoises en fait qui sont présentes en France, mais la plus commune, donc l'armoise commune, Artemisia vulgaris, comme on la reconnaît, donc c'est vraiment en retournant les feuilles. L'armoise commune va être beaucoup plus blanche en dessous, elle va être présente plus développée et plus tôt dans la saison. Et puis souvent la tige est bien plus rouge aussi sur l'armoise commune, mais c'est vraiment le premier critère, c'est la feuille qu'on retourne et puis on regarde les faces inférieures de ces feuilles. Et généralement l'armoise commune est beaucoup plus odorante que l'ambroisie à feuilles d'armoise. Après au niveau, il y a une autre armoise qui s'appelle l'armoise annuelle qu'on peut confondre aussi pas mal, qui elle l'armoise annuelle est par contre verte des deux côtés. Mais qui a une odeur très très caractéristique, qui sent assez bon d'ailleurs, et qui va être beaucoup plus finement découpée. D'accord. Au niveau de l'ambroisie trifide, on la trouve en France à la hauteur, enfin comme sur les photos que tu nous as montrées. C'est Oui, assez haut. puisque c'était d'ailleurs, il me semble, une photo d'Alain Rodriguez. De l'ACTA qu'il a dû prendre en France. Je vais essayer de retrouver la photo. Oui. Alors, non, voilà, c'est ici. Voilà, broyage d'une parcelle envahie par l'ambroisie trifide. Donc, oui, on va la retrouver assez haut dans On les a cultures retrouvé cette généralement. hauteur-là en France. D'accord. Je reviens juste par rapport au mélange avec l'armoise. La question, c'était aussi, est-ce qu'elle peut se retrouver mélangée, enfin, on peut avoir des pieds d'ambroisie, des pieds d'armoise qui sont... Ah, sur le même habitat, oui. Oui. Ouais, fréquemment, on va les retrouver côte à côte parce que ce sont des petites espèces qui aiment bien les milieux perturbés où il y a de la place, anthropisée. Donc, ouais, on peut les retrouver dans les mêmes conditions. D'accord. Sur la dissémination des graines, comment elles sont disséminées? Comment ça se passe? Est-ce que c'est par les oiseaux? Voilà. Ouais, au niveau des graines, donc ce sont des plantes qui sont barrochores généralement, donc ça veut dire que la graine tombe au pied de la plante et puis repousse l'année suivante. Donc elle va pas, de façon naturelle, elle va pas aller très loin et c'est surtout par les transports humains qu'on va la disséminer. Donc ça va être par des chantiers, on transporte de la terre, ça va être une moissonneuse-batteuse qui passe d'un champ envahi à un autre, ça va être soi-même quand on va marcher avec des bottes et qu'on transporte dans la boue, sous les bottes, des graines d'ambroisie. Voilà, ça va être plutôt lié à ces conditions-là. Et puis, on a pas mal aussi de témoignages de dissémination par les sacs de semences pour oiseaux. Donc, quand vous donnez à manger à vos oiseaux en hiver, si, éventuellement, si vous avez des drôles de
plantes qui poussent en dessous de votre mangeoire au printemps, vérifiez que c'est bien pas de l'ambroisie. Mais oui, c'est une source aussi d'introduction. Et généralement, quand on a des signalements, notamment là où il y en a peu, en Normandie, en Bretagne, souvent ce sont en dessous des mangeoires pour oiseaux. Donc à ne pas négliger. Au niveau des conditions climatiques, est-ce qu'elles peuvent agir sur son développement ou sa disparition? Comme toutes les plantes, oui, les conditions climatiques vont avoir un effet. S'il fait trop sec, s'il y a trop de pluie, bon voilà, il y aura des effets, c'est sûr. Pour autant, elle est quand même assez capable de résister par rapport à d'autres plantes. Généralement, c'est en conditions de sécheresse, elle va tenir assez longtemps. Elle va même réussir à faire des graines là où d'autres plantes ne réussiront pas. Donc c'est assez une peste à ce niveau-là. Et avec le changement climatique, elle va certainement aller pouvoir se développer plus dans la saison, donc plus tôt et plus tard, et puis aller peut-être de plus en plus au nord, mais au bout d'un moment, elle va être quand même bloquée par la photopériode qui est un facteur très important pour l'ambroisie. D'accord. Tu as présenté Marilou au début, donc quatre espèces. Il y avait trois espèces qui pouvaient poser problème par rapport aux allergies, c'est ça, les trois premières? C'est ça, voilà. Donc trois espèces qui sont classées nuisibles à la santé humaine parce que leur pollen est allergisant. Et la troisième, en fait, est très peu présente et on n'a pas assez de données pour pouvoir conclure quoi que ce soit. Donc elle est pas prise en compte dans ces réglementations et pas problématique pour le moment, en tout cas. La quatrième, du coup. La quatrième, pardon, la quatrième. Merci. Et puis, en fait, finalement, dans les trois qu'on a présentés, l'ambroisie à épilis, Pilostachya, elle est considérée comme risque acceptable par l'ANSES au niveau du risque phytosanitaire. Parce qu'on n'a pas encore non plus assez de données, finalement, pour pouvoir conclure quant à son pouvoir allergisant. On sait qu'il y a des risques, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Du coup, merci. Voilà, on les retrouve les quatre ici. Donc, ambroisie à feuilles d'armoise et ambroisie tréfide sont vraiment très impactantes. Psilostachya, un peu moins. Et par contre, ça reste tout de même une espèce à surveiller, quoi. Merci. L'ambroisie est-elle bio-indicatrice du sol? Pas vraiment, elle est plutôt bio-indicatrice de milieux perturbés, dans le sens où il y a beaucoup de passages humains, enfin de travaux humains. Au niveau des conditions du sol, non, elle va réussir à s'implanter un peu partout. Elle est pas très regardante au niveau des conditions du sol. C'est plutôt, voilà, quand on va trouver de l'ambroisie, ça veut dire que c'est un milieu perturbé. On va la trouver très peu en milieu naturel, sauf dans les bords de cours d'eau. Mais non, elle arrive à s'implanter dans des conditions tout à fait variables. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Sauf si j'en ai Voilà. une, mais je pense que j'ai repris toutes les questions. Demi-heure tout pile, c'est parfait. Et puis, en tout cas, on vous donne rendez-vous du coup demain sur l'aspect santé avec Martine Grosclaude, qui est donc médecin allergologue, qui va nous parler de l'allergie à l'ambroisie. Voilà, et si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas à les reposer à notre webinaire. De toute façon, il y a 12 webinaires qui sont prévus pour approfondir la thématique. Donc, n'hésitez pas à participer aux autres webinaires et à continuer à poser vos questions sur ce sujet qui est très important. Voilà, merci à tous, merci à Marie-Lou. Et pour nous, je vous dis, pour ceux qui peuvent, à demain pour le prochain webinaire. À demain. Merci Elisabeth.